Benz, do your thing, boy. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est jour de gourmandise. Et en ce jour de gourmandise, si je vous parlais de papaye confit et de gingembre, qu'est-ce que ça vous évoque? Et bien aujourd'hui, je vous propose de réaliser des cookies à la papaye confit et au gingembre. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un like à cette vidéo. Et pour réaliser ces cookies à la papaye et au gingembre, il vous faudra du sucre, du beurre mou, de la papaye confit, de la farine, un œuf, de la levure chimique, du gingembre en poudre, du sel, de la vanille liquide, de l'amande amère et du zeste de citron. Au niveau des ustensiles, il vous faudra un bol, un fouet, une spatule, du papier sulfurisé, une plaque de cuisson, une cuillère à boule de glace, une cuillère et une râpe. On a tout ce qu'il nous faut, c'est parti pour la recette. Alors les amis, est-ce que cette recette vous a plu? Est-ce qu'elle vous a donné envie de la reproduire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme vous l'avez vu, cette petite recette de cookies à la papaye et au gingembre change de la traditionnelle recette de cookies au chocolat. Alors elle peut être pas mal pour les personnes qui sont par exemple intolérantes au lactose présent dans le chocolat au lait ou même pour les personnes en quête de saveurs avec des fruits exotiques ou des fruits locaux. Bien sûr, petite recette idéale pour le goûter ou même pour le petit déjeuner. Ces cookies vous donneront de nouvelles saveurs. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. J'attends vos commentaires, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas, la gourmandise est un vilain défaut ou pas. Bye bye.